essaie désespérément de voir le bout de la perturbation qui est ici et que nous aurons jusqu'à dimanche. Elle est immense, elle n'en finit plus. Peut-être qu'on la verra sur le globe fou en fin de bulletin. Regardez, en traçant la carte, ce qui va se passer. Nous avons l'anticyclone des Açores ici et deux dépressions. Celle-ci qui s'en va et celle-ci qui arrive. Avec l'animation satellitaire, c'est encore plus magnifique, si je puis dire. Voici la tempête d'hier qui s'en va vers la mer Baltique. Et voici la perturbation suivante. Ce n'est que l'avant-garde, car elle est immense et va nous donner un très mauvais week-end. Nous avons eu des éclaircies aujourd'hui, c'était prévu par Météo France. Ben, ma foi, demain, il y en aura encore quand même. Regardez le ciel de demain matin. Vous aurez donc du beau temps sur les Alpes, la Corse, et puis aussi autour du Golfe du Lion, parce qu'il y aura un peu de vent. Et puis également des éclaircies du nord de la Bretagne, au Cotentin, au bassin parisien, à la Champagne et au nord. Peut-être quelques averses résiduelles, mais surtout côtières. Averses un peu plus soutenues d'instabilité, avec des éclaircies sur le quart nord-est donnant de la neige à partir de 700 mètres, Vosges, Jura et nord des Alpes. Puis alors, le plus gros de la perturbation que vous venez de voir se situera sur le sud-ouest avec des pluies modérées à fortes ainsi que des vents 70 km par heure en rafale de secteur ouest. À l'avant de cette perturbation, un peu moins de précipitations. Pour l'après-midi, l'évolution très peu sensible, sinon que la pluie gagnera progressivement vers le nord-est. Les résidus pluviaux instables et neigeux seront sur la façade est. Il y aura toujours du soleil du côté du nord, également du côté du sud-est. Les températures minimales seront fraîches, un peu comme ce matin, de 2 degrés un peu partout, à 9 degrés pas partout, à Biarritz et à Ajaccio. Pour l'après-midi, ça remontera chichement, de 7 degrés un peu partout, à 16 degrés à un seul endroit, à Bastia, 10 dans la capitale. C'est un peu faible. Voici maintenant votre samedi dimanche. Non, je ne vais pas vous faire voir ça. Je ne peux pas vous faire voir ça. Tant pis, je vous fais voir la moitié nord. Ah, vous avez compris? C'est pas terrible, hein? Peut-être que dimanche, on aura des éclaircies par le nord-ouest, mais c'est pas sûr. Pour le sud maintenant, non, on ne va pas vous faire voir ça. Si, si, on va vous le faire voir quand même, ce sera très mauvais. Vous avez tout compris, hein? Il ne fera pas chaud, il ne fera pas beau, il va pleuvoir, il y aura même des orages. Bon. Demain, nous serons, s'il vous plaît, le vendredi 13 novembre, on vous l'a déjà dit, vous fêterez les brises, vous aurez 2 minutes de soleil en moins, voici le coefficient de marée très important et le répondeur de Météo France. Et je vous fais peut-être voir le bout de la perturbation sur le globe fou d'Amérique. Voilà, le sang de la dépression est ici, nous, nous sommes là et on va se payer tout ça. Eh ben, bon appétit, bon vent, à demain. La nature invente, la nature s'amuse, Décathlon font la forme. Vendredi 20h50, ambiance explosive, oulala. Vos exploits dans les marges de la gloire. Michael et Michel roulaient deux sur le même vélo, une voiture surgit à toute vitesse. Baptême de l'air en montgolfière pour trois jeunes gens. À quelques mètres du sol, le pilote tombe de la nacelle et c'est la panique à bord. Lors d'une partie de chasse, Christian, croyant tirer sur un chevreuil, entend un cri répondre à sa détonation. Lucky ! Et enfin, un reportage pris sur le vif. Et la caméra témoin, c'est vous. Pour échapper aux flammes, deux personnes se jettent dans le vide. Les Marches de la Gloire, présenté par Laurent Cabrol, vendredi 20h50 sur TF1. Préservez votre visage du rayonnement lumineux et des agressions extérieures, les laboratoires Diadermine créent Capital Jeunesse, une crème fluide de jour haute performance. Chaque jour, Capital Jeunesse, formule multiprotection aux antiradicaux libres, conserve tout l'éclat de la jeunesse de votre peau. Capital Jeunesse de Diadermine, pour l'amour de la beauté. Votre café préféré, goûtez-le avec encore plus d'attention. Et maintenant, goûtez notre nouveau café, L'Or, de Maison du Café. L'Or est sans doute le meilleur café du monde. Et quand on vous fait une promesse aussi facile à vérifier, on ne peut pas vous mentir. L'Or, de Maison du Café. Pourquoi faire aujourd'hui ce que vous pouvez faire demain? Demain, vendredi 13, c'est la fête de la chance. Tout peut arriver. Demain, vendredi 13, pour la fête de la chance, la Française des Jeux vous souhaite bonne chance. On a choisi Pure Soupe de Liebig. Parce qu'elle est vraie, elle est simple. Comme nous, quoi. Pour nous, Pure Soupe, c'est la meilleure. Parce qu'elle est pleine de bons légumes, elle est pleine de vitamines, parce qu'elle nous fait du bien, parce que c'est la meilleure, voilà. Pure Soupe de Liebig. C'est si simple de se faire du bien.
vous ai déjà vu quelque part, vous? Ça ne serait pas au Salon Meubles et Décors? Salon Meubles et Décors, du 11 au 22 novembre. Les meilleures saveurs de la nature sont choisies par Dolmio pour mijoter sa sauce traditionnelle. Versez simplement la sauce Dolmio sur la viande en train de cuire. Mélangez bien le tout et voilà en quelques instants des spaghettis bolognaises inimitables. Dolmio, pour le meilleur tout simplement. Pure soupe de Liebig. 20 façons très simples de se faire du bien. Nouveau voyageur turbo diesel. Ça sera pour moi. Meule d'or, si je t'attrape, je te mords. Bon, alors si je comprends bien, tous vos téléviseurs sont formidables. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme téléviseur chez vous? Un Brandt. Alors on va prendre le même, hein? Téléviseur Brandt, pour ceux qui savent. Nous sommes les M&M's. Nous sommes les M&M's. Couverts de chocolat. De belles couleurs au choix. Tout le monde nous aime, car avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. En ce moment, collectionne les personnages M&M spécial Noël. Enlever complètement des taches de mayonnaise comme ça? À la longue, ma chemise va virer à ce bleu-là. Faux. Enlever complètement des taches de glace au chocolat comme ça? À la longue, ce short va virer à ce vert-là. Faux. Voici le nouvel Ariel Color avec Color System. Regardez, Ariel Color. 1. Élimine les taches difficiles là où d'autres laissent des traces. 2. Grâce au Color System, retient l'éclat des couleurs, lavage après lavage. Pas la moindre trace. C'est vrai. Je peux tout avoir. La propreté et les couleurs. Vrai. La nouvelle propreté Ariel Color, quand les taches partent, les couleurs restent. Ariel Ultra, Ariel Ultra Liquide, Ariel Color, pour une propreté impeccable, la réponse à tout, c'est Ariel.